Bonjour à tous, c'est Zorakbos et on se retrouve sur une nouvelle session sur Palworld. Et oui, le arc Pokémon où on va essayer de chercher encore de la nouvelle main d'œuvre. Dans cette session, dans la dernière session, nous avions tout simplement affronté et récupéré le Pen King et nous avions battu la première tour du jeu, l'une des nombreuses tours qui sont un peu les objectifs actuels du jeu dans cet Early Access. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud pour cette nouvelle session où on va encore tenter de repousser nos limites et peut-être découvrir de nouveaux secrets. J'espère que vous êtes chaud comme d'habitude, parce que moi je suis. On y va, c'est parti. Je me suis juste fait quelques petits trucs en off, comme vous avez pu remarquer. J'ai chopé un shiny, je me baladais, j'étais juste en train de vérifier des trucs avec mes potes et j'ai trouvé un shiny, donc un petit Tiffant shiny, très très mignon, qui va nous aider dans cette aventure et qui est vraiment très sympathique. Alors, les flèches ont été terminées, on va pouvoir les utiliser. Normalement, je me suis fait un nouvel incubateur, on en a deux maintenant. Et elle est toujours buggée, cette connasse. On va la débugger. Hop, voilà. Donc, on a deux œufs qu'on va pouvoir récupérer. Qu'est-ce que c'est comme pâle? J'en ai foutrement aucune idée. On va voir. Un Arsoc. C'est pas comme si j'en avais déjà 36. Fuck. Et un Daydream. C'est de la merde. Putain de couilles. Oh, on s'est fait baiser. Oh, les deux œufs éclataxent du cul. Éclataxent du cul, monsieur Potbeur. Putain, mais ça fait chier, c'est de la merde. Salut Koala, comment tu vas? Alors le stream dans le train, hey, let's go mec, hein. Faut savoir s'occuper. Hein. Ok, ok. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais besoin de crafter pour monter mon niveau? Il me fallait la marmite, c'est vrai. Et la marmite, je crois que j'ai pas le level. Quoique, est-ce que j'ai pas débloqué? Si j'ai le level, c'est bon. La marmitus. Bah elle est où la marmitus? Que ces conneries? J'ai pas le marmitus? Ah si, marmite, voilà! Arbalète empoisonnée, arbalète enflammée, méga planeur, ça pourrait être sympa d'avoir un planeur pour le coup. Chauffage à flamme, lance-roquette, ensemble de tapis, climatiseur à glace, ok. Écoute, on va le débloquer, pourquoi pas. Capsule d'enrichissement de pâle. Synthétiser plusieurs pales du même type pour renforcer celui d'un rang à augmenter. Oh les gars, on va commencer à faire de la fusion là. Oh, on va faire de la fusion, ça va être dégueulasse. Oh là 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 là. Oh là là. C'est pas grave, mais c'est quoi ce jeu? Alors Trips, tout simplement, c'est Palworld, un jeu qui est sorti il y a quelques temps, qui est en Early Access et qui utilise, on va dire, les codes de un peu de Ark et un peu de Pokémon pour créer un jeu de survie et d'utilisation de pales vraiment très très sympathique. Malheureusement, j'ai pas de place. Bon, on va le mettre dehors. Je sais que les trucs de comme ça technologiques, faut pas trop les mettre dehors. Normalement, ça aime pas trop la flotte. Mais bon, j'ai pas de place. Y'a plus de place ici. Y'a plus de place, c'est la merde. On va le mettre là. La Kim qui a fait 50 degrés. Quand il fait 50 degrés, c'est ça. Sacrifier des pales du même type pour monter les stats d'un seul. Ok. Bah écoute, ça va être cool. Comme ça, si on récupère plein de lamballes, on va pouvoir avoir des lamballes plus puissants. C'est incroyable. Bon, on va laisser crafter parce que ça sert à rien. Oui, donc la marmite, il me faut quoi? Parce que bon, la marmite c'est quand même pour level up ça. Coffre en métal, on s'en fout. Marmite, il me faut des lingots de métal. Oh, faut aller chercher du métal. Le métal étoile. Incroyable pour ceux qui ont la ref. Oh, faudra qu'on se le mate d'ailleurs le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Un des prochains dessins animés qu'on se matera en live. Conan le barbare. Oh, ça va être une dinguerie ça. Conan le barbare, ça peut être une dinguerie à se mater. Oh là, je viens d'avoir une idée, les gars. Ça c'est une idée, c'est Gucci, ça. Conan l'aventurier, le barbare, là. Mmh. Bon, s'il te plaît, tu peux me donner le... Ce coffre de con, là, il m'emmerde, hein. Coffre à la bite. Allez, 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 non. Oh. Donne-moi ce coffre, au milieu. Au milieu. Il faut pas. J'ai du mal à accéder à mon coffre, les gars. Ah, c'est bon. Glandard qui arrive pas à accéder à son coffre. Bon, toi par contre. Alors, elle me saoule parce qu'elle est tout le temps buggée. Je suis obligé de l'amener à la bouffe sinon elle meurt, cette connasse. Mange. Voilà. Oh là là, quelle abrutie, je vous jure. Oui, donc je disais, il me fallait du fer. Du fer. Bah, en vrai, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader dans la map et essayer de trouver notre nouvelle base. Parce que se trouver une nouvelle base pour le faire, ça va être sympa. Ça nous permet surtout de pas avoir à aller en chercher comme des cons à chaque fois.
Au niveau de la map, de ce qu'on m'avait dit, de ce que mon pote m'avait dit, il y en avait une ici, hein, c'est ici quoi là, hein, si je ne m'abuse, que tu m'avais dit qu'il y avait à côté du hameau, donc je dois monter, prendre le pont et aller à gauche. Hein. Ici je crois. Hein. Donc, on va faire ça. Comme ça au moins on aura une base de fer, on pourra se mettre bien. Eh, s'il te plaît, tu descends, d'accord, merci. Ok. Ça, ça va être là. Hein. Ok, donc le hameau est ici. Hop, du bois. Ici. Allez, monte. Merci, X, Abra, Coursi, X, là. Attends, on peut se battre sur notre monture, je sais même pas. Incroyable. Huche. 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 Oh là 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 là, la débandade. Et pas buggée, c'est juste qu'elle ne veut pas passer par la porte vu qu'elle est trop grande. Non, non, j'en ai des plus gros et des plus grands qui veulent bien passer par la porte. Dégage-toi, c'est le fou. Malade celui-là. D'ailleurs, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire si au niveau du son et de l'image tout est bon. Préférez les changements en début de stream plutôt qu'en fin comme d'habitude. Ça peut être quand même intéressant de pouvoir régler les problèmes. Donc j'espère que pour vous, tout est bon au niveau de la qualité de stream. Évidemment. Ok, faut partir par là-bas. C'est quand sur la PS5? Je crois qu'il est déjà sorti sur PS5, si je ne m'abuse. En Early Access, je ne suis pas sûr, Natok. Je t'avoue que je suis sur PC. Donc je ne saurais pas te donner les sorties et les informations côté PlayStation. Ok, âme de pâle, pièce d'or. Pas trop mal. Salut Zabouza, putain mec, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Quel plaisir de te revoir, mon gars. La dernière fois, c'était sur Rune King que je t'avais vu, je crois. Le jeu qu'on ne fera plus, évidemment. Mais quel plaisir. Putain, il y a un camp en face, on va les récupérer. La qualité pas top, mais t'inquiète. C'est plaisir, Natox, merci. Hein. J'adore les viewers trollers au calme. Surtout que c'était pas sur TikTok que je demandais, parce que TikTok c'est très mal que la qualité est bonne. C'est surtout sur Twitch, évidemment, parce que privilégier Twitch, les viewers de qualité, les goats du streaming. Toi dégage, toi ça le fout. Nice, c'est un pal que j'ai pas ça, nice. Un nouveau. Dégage, ça le fout toi. Allez. Dégage, sale connard. Oh, il l'a défoncé, mon dieu. Coucou, c'est Sacha The Goat, je suis partout à la fois. Ça va, Noxman? Capture les braconniers. Ah, faudrait. Qu'est-ce que tu veux, toi? Combien de pourcents? 13? Oh! Non, j'ai failli avoir mon premier braconnier! Quelle couille! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il veut pas? Putain! Mais tu fais chier! Oh, il m'emmerde! Ça me le braconnier, mais j'ai pas pu! Enlève des dreams, ouais, frère, ouais, faudrait. Allez, viens ici, toi. Faut que j'aille où? Faut que j'aille à gauche, du coup, de ce qu'on m'avait dit. Tu veux le capturer plus facilement pour aller se faire verte. Ouais, je sais. Trop concert pour le capturer. Ouais, on est d'accord. Ouais, je prendrai peut-être les vertes la prochaine fois. Après, ça me fait un peu chier de claquer des vertes pour des vieux braconniers, quoi. Je t'avoue, le trafic humain. Trafic de pales, oui, mais trafic humain, non. Oh oui, on a notre deuxième base, les gars. Je la vois. Elle est ici. Let's go. Oh putain, merde. J'ai rempli. Normalement, je dois avoir des vieux remparts en bois. Je les ai pas enlevés. Ça bosse dur, il va cogner. C'est vrai. Ah ouais, putain, il y a des remparts en bois qu'il a pas enlevé. Incroyable. Oh, la base de fou. Alors, on va se mettre là, 100%. Ok, donc il nous faut. Alors, je sais pas si j'ai les ressources sur moi pour faire le. La boîte à pales. Non, il manque du bois. On va les farmer.
Moi j'ai capturé un marchand rouge. Oh, pas mal. Nice, nice, nice. Qu'est-ce que tu veux toi, sale fou? Dégage. Dégage, Teddy. Putain, regarde-moi ce casse-couille là. Enfin, graissé comme ça. Voilà. Une petite boîte à pales ici. Et on va pouvoir se mettre bien. Ok. Ok, d'accord, il okay, y a pas besoin de les monter chacun. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien. Il y a la moitié que j'ai pas viré en fait, MDR. Ah ouais, ouais, bah là, ouais, ouais, t'as viré un camp, un coin et l'autre non. alors, il me faut que je fasse, du coup, des plantes de baies. J'ai pas. Ok, va falloir que j'aille chercher ça dans la base principale. Par contre, en attendant, faut que je mette des mineurs. Donc, est-ce que j'ai des tombats? Je crois que j'ai des tombats qui traînent. J'ai pas de tombats. Oh merde, j'ai pas de tombats. J'ai des mineurs. Mineur 1, c'est de la merde. Mineur 1, c'est de la merde. J'ai pas de mineur 2. Oh la couille. En train de me dire que j'ai pas de mineur 2, les gars. Mets le cochon. Ouais, frère. On va mettre le. Vous savez quoi? On va mettre le cochon shiny ici. Ici, il y a le shiny. Shiny se balade. Putain, j'ai pas de mineur 2 qui draine. C'est quoi cette couille? Putain, mais OMG, je suis vraiment une déchet. Mais l'imitation, c'est... Ouais, va falloir que je fasse un lit délit, ouais, t'inquiète. Ah, j'ai pas de mineur 2 là, va falloir que j'en ai en capturé. On va mettre du dépresso, on va mettre ça. Qu'est-ce que j'ai en mineur d'autre? On va mettre un autre short. Merde, putain, j'ai jeté. On va voir pour le reste. Je trouve que cochon mine super bien. Ah, bah écoute, le cochon. Bon, on va voir cette épée du coup. Allez, on doit ramener du bois et plein de trucs. X, non, c'est C pour voyage rapide. Ok, ici. Sinon, tu vas au nord de la map, dans le désert, t'as les tortues mineures 3. Ouais, faudra que j'aille les capturer. Je sais. Il me faut, du coup... Alors, attends, déjà, on va transférer tout ça. Il me faut... du bois... Faut du bois. Voilà. De la pierre. Pour le métal, il te faudra des mineurs 2 minimum. Ouais, t'inquiète, c'est ce que je vais faire. Mais je vais aller en farmer. C'est juste qu'en gros, je veux m'installer la base. Installer le bordel et après, ça sera bon, tu vois. C'est quoi ce pal là? Ça va être de la merde, ça. Et là, ils sont rendus une dinguerie. Ferme ta gueule. What the fuck? A tout à l'heure, Zabouza. Mais what the fuck? Je l'avais même pas. Dans un œuf ordinaire, vraiment. Trop bien. C'est génial. Gros carnage. Oh, tout de suite. C'est pas faux. J'ai pas de la pierre qui traîne là-dedans, là. Si, j'en ai. Putain, j'en ai que 11. Oh, la couille. Et pas d'autres. Si, j'en ai 4, là. Et dans ce vieux coffre, j'en ai pas. Oh, j'ai que du bois, putain. Chier. Un planeur. Ah, intéressant. Après, moi, je préfère un mec qui vole. Meilleur planeur du jeu, ok. Ok, bah écoute, c'est le meilleur planeur du jeu. Let's go. Du coup, j'ai besoin de plantation. Il me faut des graines de baie. J'ai pas assez de... j'ai pas assez de pierre. Let's go. Faut que je fasse un aller-retour. Déjà, est-ce qu'on peut faire les lits peut-être? Ça peut déjà être pas mal. J'ai pas de textile. Putain, mais j'ai rien. C'est vraiment la dèche ici. Oh là là. J'aurais plus vu un guerrier aigle. Ouais, ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Y'a un truc. Oh, j'ai pas les 5 de textile. Allez, on va aller à 2 à l'heure. Oh putain, y'a un dépresso. Ah, mais non, mais c'est le mien. Le mec est en mode. Oh, y'a un dépresso. C'est le mien. Ok. Allez, on y croit, on y croit plus, on y croit encore, peut-être, encore, un peu, passionnément, à la folie, pas du tout. Enfin, quoi, fais des poses dans... Oui, t'inquiète, ce que je vais faire.
Voilà, alors coffre. Ouais, bon. Le truc c'est que le coffre il faut que je le fasse assez près. Donc je vais d'abord faire les lits. Comme ça, ça va m'enlever du poids en fait. On va faire les lits là, tu vois. Hop. On va les mettre là. Eh, oh putain, je vais à 2 à l'heure. Allez. Trop près? Quoi, ferme ta gueule, merci. Oh! Connard, pourquoi? Matériaux insuffisant, super! Let's go! La strat, c'est de faire un coffre juste à côté de la boîte à pales pour faire des TP rapides. Ouais, ouais, je sais, mais justement, en fait, je veux juste là me. En fait, avoir assez de bois, mais juste en enlever assez pour avoir la vitesse, en fait. Putain, j'ai rien! Bon, attends, on va se rapprocher. On va aller à 2 à l'heure, mais c'est pas grave. Attends, on va juste faire un lit, ça va m'enlever quand même du truc. Allez, 5 de textile, il faut. Voilà. Ça au moins les lits ils seront faits. Putain, il manque un de textile pour en claquer un autre. Dommage. Pas grave. Allez hop, on se rapproche. Allez le jeu, allez. Plus vite, Skyrim de retour. Ah frère, ah ouais, mais non. Mais non, sur Skyrim, j'aurais fait TCM, mon gars. On aurait fait TCM fort. Coffre en bois, allez. Regardez-moi ça, j'arrive. Le coffre arrive. Le coffre arrive. Le grand coffre, le giga coffre, le magnifique coffre. Allez le coffre. Allez le coffre, dépêche-toi. Allez. Ah, trop près. Voilà, oh là, incroyable. Voilà, ok, donc on peut balancer ça, 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 la laine, non, ça, la laine, faudra que j'avais dans mes coffres plus précis. Ok, donc ça, c'est bon. Boîte à bouffer, est-ce que je peux en faire une? Boîte à nourriture, je peux en faire une, let's go. Donc ça, ça sera fait aussi. On va la mettre à côté du... On va la mettre ici, tiens. On va la mettre ici. La boîte à bouffer. Voilà, on met toute la bouffe. Ça, c'est fait. Déjà, ils ont à manger, ils peuvent mettre les ressources. Ça, c'est fait. Il y a 2 lits. Il m'en faut plus. On va les miner un peu de... pour faire du... pour faire des lits. Bâtard. Te remets pas, fils de chien. Rushor? Rushor? Le mec il a sauté. Le truc il a fait un tout droit dans le vide. L'abruti de service, mon dieu. Il est arrivé, il a fait oh, je suis mort. Incroyable. Oh c'est fou. Il a fait le saut de l'ange. Encore comme on peut pas TCM sur Switch, il y a une technique où tu prends une dague, tu charges du coup, et juste avant ton bras s'abat, tu ranges l'arme, ça prend plus de fou. Ah ouais? Nice. Et les bonnes strats, les bonnes strats. Alors on va faire un voyage rapide, il nous faut du coup du bois, de la pierre pour faire nos trucs. Utiliser le concasseur et faire du textile à fond, sinon à ta base. Ouais c'est vrai, c'est vrai, je vais faire ça tiens. T'as raison, t'as raison. Il est où le concasseur, c'est ça? C'est ça, ça le concasseur? C'est pas ça. C'est ça le concasseur? Ah mais je suis déjà en train de faire des éclats de pallium, donc je peux pas mec. Trop compliqué, trop compliqué. Alors, on va ranger tout ça dans les coffres. Ça le blé on range, ça on range, ça on range. Je peux pas, j'ai pas la place, let's go. Ça on range ça, j'ai besoin. On range ça, on range ça, on range ça. On range ça, on range ça. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? On avait dit du bois et de la pierre. De la pierre. De la pierre. Et où la pierre, c'est là. Pourquoi j'ai plus de pierre? What? D'accord. Attendez, parce qu'il va falloir me ranger tout ça. Hop, on va mettre les 67. Et ça, hop, on les met les uns sur les autres. Voilà, je sais pas pourquoi ils les ont pas récoltés. Super.
Ok, et un autre TP. Voyage rapide au camp. Donc il faut quoi déjà? Putain, j'ai oublié. Il faut que je fasse la bouffe, les champs, le bordel, le foutoir et le bordel. Champ de baie, il m'en faut deux. Faut nourrir tout le bazar là. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, j'ai bouffé un coup parce que j'ai la dalle. Voilà. On va falloir aller chercher du minage T2 là, parce que sinon ça ne nous servira à rien. Ma farm de fer ne servira à rien. Putain, mais le rushor il est tellement big! Wouh! Ok, donc il me faut des récoltes, il me faut un récolte, un semence et un flotte. Ok, donc il me faut un flotte, un récolte. Là on en récolte un, c'est de la merde. Est-ce que j'ai un semence 2 qui traîne? Oui, il y a lui, très bien, il fera que ça. Ensuite, j'ai besoin. Bon, tiens, on va mettre lui, tiens, parce que j'ai jamais vu lui, trop stylé. Il me faut un arrosage 2, est-ce que j'ai un arrosage 2? Ah ah, je crois que je n'ai plus d'arrosage 2, fuck! Merde, j'ai plus d'arrosage 2, sérieux? Écoute, on va mettre le pingouin qui a transport en même temps. Est-ce que j'ai pas un transport 2 peut-être? Ouais, normalement, de toute façon, il devrait pouvoir faire le transport. Donc, ça, c'est récolte, arrosage, transport. Ça, c'est récolte. Et il me faut. Non, c'est pas récolte, c'est semence. Non, putain, c'est pas semence, ça, c'est le bois. Putain, mais quel con! Mais quel abrutix! C'est ça qu'il me faut, voilà. Donc ça c'est semence, ça c'est eau, récolte, transport. On a tout là. Il nous suffit juste d'avoir maintenant des mecs qui font du 2 quoi. Et faire aussi les lits. Les lits. Il m'a du textile, putain. Qu'est-ce des couilles. Avec leur vieux textile éclaté là. De textile, on va pouvoir faire un lit, presque deux. Voilà, là déjà on peut en faire deux de plus, ça c'est cool. B, lit. Voilà, au moins pour l'instant, on a tous les lits pour tout le monde, ça c'est cool. Et on va mettre tout le bordel dans les coffres. Non, ça on va ramener ça à la base. Quoique, j'ai besoin de quoi pour. Putain, c'est vrai qu'il faut que je fasse des sources chaudes aussi. Pour pas qu'ils partent en dépression. Alors qu'il faudra du fluide de pâle, on va falloir farmer de toute façon. Et. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Merde, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ah, c'est tout, je crois. Hein. Ah, c'est tout. Ok. On va aller chasser du Tombat. Tu m'as dit dans le désert il y avait des T3 genre où, genre là, genre par là, parce que du coup faudrait que je passe par là et que je, ouais, on va voir hein, par là hein. On va voir ce qu'il y a par là, donc j'ai pas encore exploré la zone, donc on va voir hein. Les tortues, écoute, on va aller choper les tortues. Les tortues de mer. Oh, je connais pas ce pal, il est trop beau, je veux le récupérer. Si tu peux en renommer une, appelle la tortuga. Nice. Je vais l'appeler Gips. Il y en a une, elle s'appellera Gips, les gars. Parce que les tortues de mer, quoi. Oh. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un milliard de mobs? Qu'est-ce qui se passe? Casse-toi toi. Wow. Le truc il m'a... Wow, il l'a déglingué. Incroyable. Wow. Le truc il vole bien.
Les airs, pas les grands. 40-50. Ouais, ok. Let's go. Alors qu'est-ce qu'il fait Cinnamon? Parce que je connais pas, hein. Moi je découvre des nouveaux pales, les gars. Paldex, Cinnamon. Je pense qu'il doit être avant dans le Paldex, ouais. Il est ouf. Putain, j'ai toujours pas capturé de poulet, ferme ta gueule. Peut-être que je le capture un. Cinnamoth. Pharmacie et semences. Ok, sympa. Sympa. Nouveau pale. Putain, y'a un gate claw qui m'attaque. Problème. Oh le bat. Putain. Chier, karma dans ton cul, connard. Wouhou, esquive. Ah putain, maintenant qu'on peut changer et mettre ça sur les boutons de la souris, c'est tout de suite mieux, hein. Mon dieu. Putain, le pourcentage est dégueulasse, hein. Capture le poulet et mets-le dans le barbecue. Pas con. Bon, ils ont patché le fait que quand ils soient à 0 HP, ça les capture automatiquement, hein. Parce que là, il avait 0 HP, il était toujours à 13, hein. Ligue de la protection. Pour savoir où est le désert, tu as dans ton paldex, tu regardes l'habitat de Domoud. Ok. Oh putain la vache. Oh let's go du premier coup à 2%, let's go. Wouhou. Brista. Faut capturer Floppy, il est trop mignon. Allez, rentre. 16%. Connard. Il manque tes guns. Oh, en vrai, ça va, tranquille. Moi, j'aime bien mon arc, hein, mais mon arc et mes flèches. Hein. Et 16. Oui. Oui. Let's go. Un nouveau pal. Putain, mais on en récupère plein ici. Nouvelle zone. Où ça? Donc on a eu Floppy qui a transport, pharmacie, travaux manuels, semences, collecte 1. C'est de la merde. Et Brista qui a pareil mais avec pharmacie 2. Ok, c'est pas ouf. Comment faut faire de meilleurs balls si tu veux avoir des pales maintenant? Ah ouais, j'ai l'impression, ouais. En fait, le truc, c'est quoi, ouais, j'en ai pas assez des balls meilleurs. Faudrait que j'en fasse. Coffre. Ok, pain, âme. Je pense en vrai, quand je trouve un TP, j'irai voir et je retournerai à la base pour farmer un peu. Pour aller voir un truc. Non, c'est pas lui que je veux mettre. Reviens. U. Voilà. Oh, il y en a un là. Il y a un truc de capture. Déjà, si je peux augmenter aussi mon niveau de capture, ça pourrait aider. Parce que mon niveau de capture, je crois qu'il est encore à limite basique, hein. Faut faire des DMZ entre les deux Corées. Oh putain, ta gueule. Ta gueule, Wolfried, putain. Premier message de la journée, le mec qui balance ça. Espèce de schlag. À l'assaut! À l'attaque, les gars! Butez-moi ces fucking braconniers! On va aider le pal qui a trop de stylé, qui ressemble à l'archiduc de Pokémon! Let's go! Butez-moi ces sacs à foutre! Voilà! Bon, par contre, l'archiduc, si tu penses t'en sortir, mon gars, tu vas venir chez moi maintenant. Rentre. 26. Merde, j'ai balancé une verte, quel con! C'est pas grave, il rentre. J'ai balancé une verte, quel abruti. Oh merde, oh non, mais Carclo là, dégage! Oh, je me fais agresser par toute la faune. Allez, let's go, allez, je me barre. Faut que je me casse. Normalement, pour aller plus vite et plus loin, faut faire des roulades, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a un TP pas loin en fait? Parce que je suis... Oh putain, il y en a un là. Ok, je vais y retourner. Je vais y retourner, prendre le TP, comme ça je pourrais me transporter plus vite. You ce con. Where is this fucking TP? Oh, Ligue de la protection des pales, ils vont venir me casser les couilles, je pense. Ok, c'est en train de se battre avec un... Je comprends pas. Hein. Ligue de protection contre les pales, les mecs, je les vois, ils font que se battre contre d'autres pales. Hein, contre des pales, je comprends pas. Hein. Comment c'est des abrutis. Hein. Ligue de protection, mais quand ils font pas chier, quoi. Tu vas te faire agresser par des pales, à vous. Non, non, j'aime pas. Ça me casse les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non, c'est le truc de tout à l'heure, ok. Ah putain, mais les gate close, c'est des trucs agressifs, en fait, ok. Je lui disais pourquoi, je sais pas, il m'agressait, mais c'est des fucking trucs agressifs. Il y en a trois. Mais c'est bon là aussi! Fuck it là! Wow! Oh, t'es les conneries là! Ces vieux trucs agressifs de mort là! Voilà, Chile, fous-la lui dans le cul! Défonce-le! OMG! Oh! Oh là là, bah alors là, toi, alors là, t'es censé tomber comme une crêpe, hein, mon gars! Comment je suis trop un sniper? Oh là 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 là! Chile! Gâche, t'as le fou, toi! C'est comme sur la Ligue de protection des animaux IRL, faisait tout pour provoquer l'extinction des espèces protégées. Putain, mais il y en a de plus en plus, mais OMG! C'est agressé en fonction de ton niveau. Mais frère, il faut que m'agresser! Il y en a 36 000! C'est bon là, laissez-moi prendre le TP, je me casse après, bande de bâtards! Il est où le TP? Je sais pas où il est le TP. Oh putain, je vais mourir. Il est où le TP? Où est ce TP? Ok, tout droit. Oui, d'accord, je vais aller le récupérer. Voilà, merci. Ok, on voit Inox. Oh, l'esquive! Oh, l'esquive et shot derrière! Oh là là! Ça, c'est du niveau, ça. Ça c'est Gucci, ça. Ça c'est des moments comme j'aime, ça. Allez, crève, connard. Salaud. Il m'agresse, en plus, je suis level 18, quoi. Le mec, il agresse les mêmes levels que lui, quoi. Gros chien, va. Sale merde à con, là. Crève, bouffon. Toi, si tu crois que tu vas t'en sortir, mon con. Il est où? Oh là, level 19, mon gars! Bang! Dégage, bolos! Il a du bol. Oh non, mais encore des trucs qui protègent. Mais laissez-moi passer. Je veux juste le téléporte. Je veux juste le point de TP. Je vais jamais l'avoir. Faut que je me fasse discret. Faut que je me fasse discret. Chut. Je fais pas. J'arrive pas à monter. Oh non, on va aider les pales en vrai. J'ai. Voilà. On a aidé. Et toi? Pour l'instant, moi j'en suis là où je répercute. Je percute en vol sans faire exprès. Merci. Salut Cinamot, bonne journée. Il peut devenir mon copain? Non, il veut pas. Oh putain, le TP. Oh, le teleportation point. Oh, je peux rentrer à mon camp, let's go! Let's go! Let's fucking go! Du coup, j'avais besoin de me faire. Coucou toi! Du tissu. Je suis de Formule 1.
On va bientôt entamer la journée, donc on va bientôt pouvoir aller chasser les Tombats dont on a besoin, donc ça c'est cool. Endurance. Plus d'endurance, on en a jamais assez. Faut aller réparer le stuff. Surtout. Tu veux pas continuer à jouer à des SDBH? Non, parce qu'on a terminé la session, donc on joue un autre jeu, les gars. Je fais pas tout le temps les mêmes jeux, hein. Si tu veux regarder les rediffs ou voir ce que j'ai déjà fait, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube. Hein. De la bouffe, on est comment? On est large. Je devais aller choper des Tombats. Malheureusement, ils sont pas encore spawnés. Ah. Ok, la marmite, on est d'accord, je peux pas la faire la marmite. Hein. Enfin, je peux pas encore. Hein. Elle est fucking où la marmite? Putain, il me manque les lingots de métal. Mais justement, c'était pour ça que j'étais allé. Oh là là! J'étais allé faire une ferme à métal pour faire du métal. Oh là là, c'est le bordel tout ça. Ouais, dans tous les cas, il va me falloir les Tombats. Qu'est-ce qui me manquait là-bas à construire? Fallait que je construise quoi? Les douches. Les fucking douches. Ok, il manque du fluide de pâle. Donc on va aller tabasser du pâle en centre-ville. C'est bon, où il y a un pingouin Napoléon? Mais oui, c'est le Panking! Le Panking. Il est incroyable. Attends, donc tu m'as dit, il faut que je regarde quel pâle, quoi là, pour pouvoir trouver la zone où il y a les... Putain, oui, c'est vrai. Je devais... Oui, c'est bon, du mud, ok, je trouvais, c'est du mud. Faut d'abord que j'aille me faire une nouvelle bowl. Parce qu'on fait que me gueuler dessus, parce que j'ai des bowls de merde. Je peux en faire 13, let's go! Oh putain, ça me demande des lingots de métal, là. Oh, ouais, mais j'en ai tellement pas. J'en ai tellement hap. Y'a pas un mec qui veut venir m'aider pour construire là, crafter, tout ça? Non d'accord, c'est des connards. Oh, mais d'accord, monsieur. En perso, il a la dalle, forcément. Ok. Quelqu'un veut pas m'aider à construire? Non, d'accord, ok. J'ai pleuré le chat, hein, ils veulent pas m'aider, hein. C'est des petits cons, hein. Ah, il y en a un qui arrive. Ah. Allez, viens m'aider, connard. Il est où? Il est pas là. Il est censé... Il dit qu'il vient m'aider, mais il vient pas m'aider, quoi. Pas mal, j'aime bien l'idée. Je le vois, hein, il est là-bas, hein, mais il veut pas. Hein. Ah, on a fou de ce connard. Mais il arrive ou il arrive pas au final? Je suis un homme blessé parce qu'il veut pas venir m'aider. Ce fils de pute. Il veut pas, hein? Connard! Viens m'aider, salaud! T'es où? Il est où? Il est où, ce centre? C'est mort là. Ah, d'accord, je trouve même plus. Il est où, ce con? Il est pas en train de crafter, hein? Ah, il est là! Il est là! Viens ici, toi! Voilà, tu vas m'aider. Parce que j'ai dit que tu venais m'aider. En plus, toi, tu as dit que t'allais venir m'aider. Donc, tu m'aides. Voilà. Oh putain, j'ai cru qu'il allait se barrer. J'allais l'insulter. T'as plus vite quand tu viens m'aider, connard. T'as vu ça? Mais il se barre en plus. Mais... Restez zen, c'est le mot, c'est important. Le mec il fait tout le tour pour aller bouffer alors qu'il a juste à passer par la fucking porte, hein. Connard, hein. Comment perdre du temps, hein. Ça c'est bien les Français, hein. Toujours perdre du temps pour travailler, hein. Il veut vraiment pas t'aider. Ah non, mais il veut pas m'aider, hein, ce connard. Il veut pas, hein. Il a pas envie. Quel salaud, là. Voilà. Du coup,
Maintenant que j'ai mes méga sphères, c'est bientôt là, donc on va pouvoir aller chercher les tomes bat. T'es niveau combien? Je suis level 19. 19. Il me faut du textile, il me faut. Tout. Il me fallait quoi encore? Ouais, du fluide de pâle, ça j'ai pas. Faut que j'aille en chercher. Les lits, ça je suis large. Bah non, je suis pas large, mais tranquille. Je pense qu'il y a leur gueule, les Français. Bah, ils râlent et ils veulent pas, quoi. La base, hein, les Français. J'en fais partie, hein. Je critique R, hein. J'en fais partie. Ah, il y en a déjà en dépression. Bon, d'accord. Super. Super, ça. Il y en a déjà en dépression. Il a rien fait de sa vie et en dépression, le mec. Tu conseilles quoi comme pal pour explo? Pour explorer, genre pour te déplacer, etc. Ouais, ça dépend, t'es level combien, hein. Ça dépend, t'es level combien et qu'est-ce que t'as accès, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Au niveau des lits, on est bon. On va juste aller en choper un peu plus jusqu'à que ce soit la nuit. Ensuite, on ira au tombat. Ouais, je suis level 13. Bah, au level 13, je crois que t'as pas grand-chose pour explorer, hein. Moi, perso, j'utilise l'alpaga que tu peux avoir niveau 7. Après, le Dire Hall est pas trop dégueu. Après, techniquement, si t'as envie de bien explorer, tu prends le l'Ectidir. Parce que l'Ectidir, il a le double saut. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour explorer, quoi. Si je ne m'abuse. Ok, merci. Mais pas de soucis, mec. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas, hein. C'est bon, on va avoir 8 lits, il manque après 2. Oh, j'ai failli terminer. Ouais, ah voilà, fait que ça arrive. Wouh. Ok, ça va être la nuit, on va pouvoir aller stepper au point pour aller choper les tombates. Je suis sur PC, oui. Qui est au chômage ici? Oh là là, beaucoup trop de monde, mon gars. Beaucoup trop de monde, mon petit Dobabir. Presque moi ça compte comme au chômage vu que j'essaye de vivre de ma passion de Twitch. Je ne sais pas. Ça c'est tout un truc, quoi. Après ben, j'en connais un dans le chat, il va dire que je suis au chômage, donc pour Pôle emploi je n'existe plus. La même Pôle emploi ils font. Ah bon, il existe lui? Bah non. Alors normalement les top bats ils apparaissent à peu près à côté, hein. Je suis chômeur actif, on va dire, c'est ça. Je suis actuellement dans un. Je suis parti en Slovénie pour... avec Erasmus. Allez, toi c'est un autre niveau, mon petit koala. Toi t'es trop chaud, toi. Toi la vie, tu la gobes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire au niveau du, vu que j'ai pas eu trop l'info tout à l'heure au niveau de tout ce qui est. Qualité, etc. Son et graphisme, n'hésitez pas à me dire. Bonne partie. Et merci, toi aussi. N'hésitez pas à me dire au niveau de tout ce qui est comme ça, si tout va bien sur le stream. Parce que j'ai pas trop eu de retour tout à l'heure, parce qu'il y avait pas beaucoup de monde. Ah, pas beaucoup de monde. Les gens étaient occupés à parler entre eux. Parce que moi, je peux pas voir si c'est bien, quoi. Ok, un œuf ordinaire, vu ce que j'ai eu la dernière fois, ça, pas me déplaire. C'est quoi ça, un Tiffant? Un Tiffant, ok. Ça, tout le monde est en TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Bah oui, forcément. Forcément. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé l'astuce pour éviter de crash sur TikTok pendant les lives. Donc déjà, au moins, si j'ai réglé ce problème, ça peut être bien. On verra si ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne bien, mais bon. On est encore jamais sûr de rien. Ah bah, sur Twitch, bande de gueux. Les gueux du chat. Les queues qui répondent pas aux questions des streamers parce qu'ils aiment bien le voir galérer et stresser parce qu'ils croient qu'il y a un stream de merde niveau qualité. Bande de petits cons. Le Tom Matt, il est où du coup? Habitat. Ah! Comment ça? Ah oui, oui, ah ouais, non, il est partout, ok.
Bon, y'a pas un Tomat qui veut spawn là? Tomat! 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 Petite salope! Non, c'est pas ça? Non, il spawn pas plus quand on la traite de salope? D'accord, ok. Ah, le fameux tas de pixels, fils de pute. Wolfried, t'es une merde. Wolfried, tu es un sac à merde. Mais on t'aime quand même. Mais t'es quand même un bon sac à merde. Putain, mais y'a aucun Tombat qui spawn là! C'est des racistes! Quoi, doit-on te répondre? C'est pour dire qu'elle est toujours géniale. Bah, j'en sais rien moi. Non, c'est surtout qu'en fait j'ai fait des modifs, c'est pour ça, parce que j'ai fait des modifs pour que sur TikTok ça fonctionne. Et c'était juste pour voir du coup si ça changeait rien à la qualité du stream quoi. C'est surtout pour ça en fait. Putain de merde, mais OMG! Ils veulent pas spawner les Tombat! Je vais pleurer. Je verrai plus le chat, je verrai plus! Putain, oh les dépressos, ils veulent mon cul en plus, oh là là! Aïe! Connard! Je vois rien, je vois plus rien, je vois plus rien le chat. Je vois plus rien, je suis aveugle. Gilbert Montagné, bonjour! Gilbert Montagné gameplay! Je vois aucune différence, c'est pas parfait alors. Je vais chercher des Doomoon, Dick Toys. Côté Tombat, il y en a partout, mais c'est un peu rare, c'est super chiant. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, je vais décaler pour aller prendre d'autres. Oh, c'est un pas le x3, let's go. Alors, donc, Paldex, Dig, Dick Toys, mes couilles là. Il est où? C'est pas là, c'est pas là. Ah là! Le Domund Habitat. Mais j'ai jamais été là-bas, moi! Ça va être folklore ça encore. On ne prenait pas compte de ce qu'il y a là. Hein. Ça c'est du endgame. Moi j'y suis pas encore. Hein. Loin de là. Hein. Non mais ah oh dégage. Fais un café, tu vas avoir besoin. Écoutez, on va repartir là-bas. Hein. Ok. Donc, on est... Oh non, putain. What? Elzéphir, c'est quoi ce truc? C'est trop beau. Le Elzéphir level 27, on va pas aller faire chier, mais c'est magnifique. Trop beau. Trop, trop beau. Ou par là? Ça a l'air d'être par là, ouais. Après tout droit. Le Sulfurad Palworld. Ouais, mais c'est pas un légendaire pour le coup, donc. Sulfurad Wish, quoi. Oh. Oh, par contre, j'ai peur qu'il m'agresse, donc on va peut-être se dépêcher. C'est ce que je disais! Il va m'agresser ce fils de... Allez, allez, allez! Fonce! Cours! Suinte! Cours! Sulfugra, exactement. Bon, est-ce que c'est par là? C'est par là, faut passer à travers la mer. La mer des voleurs, la Sea of Thieves. Putain, mais je vois que dalle! OMG! Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Cinnamoth? Et ça, c'est un Cinnamoth, ça va? Ah ouais, ok. Parce que les ailes, on a l'impression que c'était des pendules, le truc. Oh, une méga sphère et une giga sphère, let's go! Ah oui, et sache qu'il n'y a pas de TP dans le désert, faut aller sur la zone à gauche, tout en haut. De la montagne devant le boss Quivern. T'es en train de me dire là-bas, là-bas? Me dis pas que le TP il est là-bas, là-bas, là où je vise. Arrête, c'est bon là. Non mais c'est bon, faut arrêter les conneries. Là. Non mais c'est quoi ce jeu là? Pas de TP dans le désert. Hein.
Ça suce aussi. Moi j'ai envie de crever. C'est bon là. Oh là 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 là. Tu sais me donner envie toi hein. Eh, hey, va dans une zone où il n'y a pas de TP, où tu devras faire 10 000 km à chaque fois. Prends du plaisir. Putain. Mais c'est pas à côté. Quoi, c'est pas à côté? Bah écoute, t'as largement le level pour avoir une monture volante. Oui, mais j'ai pas les ressources. Moi, je suis un randonneur. Moi, je vais à pied. Moi, c'est pour découvrir la nature, tout ça. Ok, donc du coup... donc, il y a un TP vers là, mais je sais pas où. Donc, bon, ce sera à moi de chercher. Oh, 9, let's go. Inhabituel, ok. Cool. T'as tout ça pour une base de fer, hein. C'est quand même chaud, hein. Ok. Alors, où est le TPEX? Oh putain, il y a des Dire Wolf, fait chier. What? Mais les suis pas, c'est pas censé être aussi gros. Mais c'est pas un shiny. Ah non, t'as les suis et les suis pas. Oh, incroyable! C'est le daron! Il est trop bien, je le veux. Wouh! L'esquive! Let's go! Oh, j'ai eu un sweep acharné, un sweep pas acharné, incroyable! Connard, toi! Let's go! Tu fais quoi, ce con? Salut, Devan, comment tu vas? Sweep pas, sweep pas, sweep pas. Collecte et réfrigération 2. C'est pas mal, ça! C'est que c'est pas mal! Et acharné, je sais plus ce que ça fait. Oh putain! Cassez-vous! Oh là là, les casse-couilles! Regardez-moi ça, c'est harceleurs du dimanche là! Ils ont tapé mon étudiant, ils sont comme ça! D'accord. Ah, tu dégages, voilà! Allez hop! Bon, du coup, bon. Voilà. Tu rentres dans ta boule. Des loups-garous de witch. C'est par où du coup le TP? Parce que la zone elle veut pas se montrer quoi. Je sais. Ah merde putain, j'ai tapé dans le caillou, quel con. Ok, là-bas y'a un truc. On va le récupérer. Bon, ça sera ça de prix. Us. Ici toi. Ça y est, toi, bah tranquille, tranquille. Non, pas là que je voulais mettre. Et on l'envoie dans le tas, vas-y. Voilà, les braconniers du dimanche. Braconniers de vos grands morts. Us, us, voilà. Ouais, en gros, c'est tendu le réseau mobile. J'arrive à Rennes dans 20 minutes et après je quitte le stream. Mais t'inquiète, y'a pas de soucis, mon cher Koala. Mon bébou, le bébou koala.
Bon, je sais pas du tout où il faut aller. Toujours pas de... Toujours pas de... De TP en vue. Après, j'ai vu qu'il y avait une base. Donc, en vrai, on pourrait aller se la faire. Et éventuellement, peut-être avoir du bol d'avoir un truc de la map dans les geôles. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Le chat Twitos. Twitchos, pardon. Twitos, n'importe quoi. Je vous insulte au calme. J'ai pas de bouffe, pardon. Merde. Ah si, c'est bon, le miel, ça se bouffe. Incroyable. Pas d'autre truc à bouffer, là. Arrête. Pas d'autre truc à bouffer. Goût de connerie. Merde, on peut pas bouffer l'œuf. Oui, bah on va le faire, là. Ah, si t'as un TP en vue, non. Regarde le haut de l'écran, ou alors c'est un TP derrière. Ouais, peut-être, faut voir. Faut voir. Monte. Wouh, on y était. TP. Et je vois aucun TP, hein. Ça, c'est pas un TP. Merde. Y a pas de TP. Oh, level 21, les bras coco ici. Oh, il va déglingos. Wow, t'as fini toi. Batte de baseball, tu veux te la mettre. Je vais te la mettre, mon gars. Combat, cac. Qui va gagner? Qui va roxer? Oh, oh, je gagne mon 1v1, let's go. Oh, la brutie. Oh, c'est pas la première fois que je découvre le miel, mais c'est la première fois que j'utilise dans le jeu, quoi. Alors, on tente de capturer cette merde. Ah, il est mort. Bien joué. Wouhou. Les petits tirs, fume-le. Mais je vais les défoncer. Regarde-moi ça. Moi, je vais au cac, j'ai rien à foutre. Moi, je les baise. Je les ken, je les prends, je les fous. Agresse lui. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est ça mon mob de la zone ultra bien. Oh, attendez, il y a un TP par là. Il y a un TP par là. 130 mètres tout droit. Incroyable. On va le trouver, les gars. Oh putain, il est là. Let's go, let's go. Oh putain, il y a des braconniers. Coucou. Comment allez-vous? Oh, bang, bang, bang. Les coups de batte de baseball dans ta gueule, connard. Voilà. Ouh. Oh, regardez-moi ça, ce qu'on est en train de faire. Oh là, je leur marave le cul. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh là là, je l'ai défoncé. Je lui matraque le fiac. Nul mérite. T'as vu quoi ils sont? Ouais, le, par contre, ouais, le mob que j'ai chopé là dans le camp, il me donne envie de me fumer. Hein. Dégueulasse. Oh, un autre œuf, on va le récupérer. On va le récupérer, le mettre à aller hatch et on revient. Pas ce TP auquel je pensais, il y en a un plus loin, mais c'est un début. Ah ouais, bah déjà au moins on a un truc, quoi. C'est déjà pas mal. C'est quoi le nom de ta chaîne secondaire? Zorakverse, vous avez les liens directement sur ma chaîne YouTube ou alors dans le Discord. Si vous allez dans mes réseaux, normalement j'ai leaké le lien de ma chaîne secondaire. Et la vidéo sort dans 1h05 exactement, à 18h15. À savoir que je ne serai pas en live du coup à cette période là. Comme ça vous aurez le temps de la voir. Et on reprendra le soir vers 19h-19h15, je pense. Donc comme ça vous aurez le temps tranquille de la regarder et de me dire ce que vous en pensez. Donc on va mettre cet œuf là. Et l'autre œuf, on va le mettre là dedans. Pourquoi il y a une pierre là? C'est pas grave. Il est où l'œuf? Ah putain, j'en ai plusieurs, incroyable.
Voilà. Ok. Je lis que la miniature est stylée, c'est, vous verrez. Moi j'aime bien ma miniature, c'est tout ce que je peux dire. Ma miniature, je la trouve pas dégueu. Non, pas ça. Évidemment que tu l'as vu, ma petite, mon petit koala. T'es mon garant, t'es mon B-Books. Évidemment que mon B-Books, il a tout vu, lui. Trop fort. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Ok. Bon, on est de retour ici, ça c'est cool. Oh, y a un autre camp, les gars. Allez, encore on va tester notre chance encore négative, let's go. Encore de la merde. Oui! 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 Let's go, le poisson! Et un poisson! Allez, on va aller le défoncer pour récupérer le poiscaille! Allez, on les fume, moi je le dis, on les fume! On leur fume leur gros derche de merde de braconnier de mes couilles! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu te battais? J'ai te batté à la batte, mon gars! Us! Arrête de bouger, toi. Salaud. Vas-y. Tu me fonces dessus, mon gars? T'es sérieux? Vas-y. Essaye, mon gars. Essaye! Bah, t'essaieras même pas. Allez! T'es mort, sale merde, va. Oh, je l'ai défoncé. Oh là. Heureusement que j'ai mon chilé. Hein. Mon chilé est pas mauvais. Hein. Content de l'avoir. Hein. Viens ici, toi salaud. Je veux balancer un caillou à mon chien, il est fou. T'es malade, toi. Let's go. Le poisson. C'est celui-là que l'on voulait. Le poisson. C'est celui-là qu'on voulait. Let's go. Oh, c'est bon, ça. C'est bon. Oh, c'est quoi comme coffre? C'est les coffres d'or, ta gueule. Ta gueule, j'ai pas trouvé un coffre d'or, là. J'ai pas de clé d'or, je crois. C'est un coffre quoi? C'est un coffre d'argent? Coffre en argent. Plan d'arbalète. Ouais, c'est de la merde, quoi. Super. Putain, le daron de Brian de poisson. N'importe quoi. Il y a 190 mètres par là-bas. Le désert est en face, hein, si j'ai bien compris. La zone est incroyablement belle, par contre. Hein. La zone comme ça, avec des... Waouh, par contre, ouais, la map, elle aime pas. Hein. La map est belle, mais le serveur, il aime pas. Oh là là. Les rollbacks, bonjour. Wouhou. Perdu un peu de vie. Ça va le faire. Hop. Let's go. Okay, on va monter un coup et choper le TP là-bas, comme ça au moins on en aura plein un peu autour. Ça sera utile. Ok, par là. Allez, monte. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, let's go. C'est bon. C'est monté. Il y a un boss giga stylé aussi. Le TP, c'est le TP face au nord. Ok. Ok. Il y a un TP par là, on va aller le prendre. On va d'abord aller prendre ce TP, après on va se diriger vers le nord du coup. Ouais, par là. Ok, jusque là, tout se passe bien. Où tout a l'air de bien se passer en tout cas. Allez, on monte.
Coucou, salut Arto Gaming, mec, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Quel plaisir. Comment tu vas, mon gars? Ok, donc là on a un TP, il faudra repartir. Wouah! Mais c'est le Jet Dragon, ça! Incroyable! Bon, le TP à côté, c'est le bon, c'était au nord il y a 5 minutes quand j'envoie mes ça. Ah, ok, et toi, bah tranquille, tranquille! Oh, le Jet Dragon! C'est une grosse statue de Jet Dragon, c'est le bon. Ouais, c'est le bon du coup. Wouah! Attends, mais du coup là c'est le Jet Dragon? Arrête! Domaine du Pterosaur, Kiverne, 20 niveau 23. Bonjour à toi, à la prochaine, quoi là. Et merci. Les gars, on est tout à fait honnête dans ce chat, on est d'accord. Ici, c'est l'honnêteté avant tout. Ici, c'est comment dirais-je, c'est la qualité du stream, c'est la qualité du gameplay. J'ai dû m'absenter pour une urgence. Mais y a pas de souci, mec, Arto. Comme je dis d'habitude, vous venez quand vous pouvez. Hein. Est-ce qu'on tenterait pas le boss? Level 23, ça se tente en vrai, non? On a un peu level up depuis la dernière fois qu'on a tenté un level 23, ça se tente. Non, c'est pas le jet. Non, je sais que c'est pas le jet, mais je parle de ça, c'est le jet. Non, ça c'est le Quivern, j'ai vu. Par contre, je l'ai eu ce matin. Ah putain. Est-ce qu'on tente? Allez, vas-y, on tente. Je sens que je vais me chier comme une merde. Tu télécharges le jeu, nice. Nice, that's nice. Yeah. Je fais zéro dégâts. OMG. Oh, ça va être compliqué. D'accord, j'ai peut-être un peu trop été rapide en besogne. Je fais zéro dégâts. Ah ouais, à coup de 2-2-2-2. C'est bon, il a été gelé. Mais j'ai pas mon Daydream ou mon Daydream il se touche les couilles. Va taper Daydream. Ok, c'est bon, il commence à avoir des dégâts, il est enflammé. Wouah. Bonne chance, merci. Je me fais avoir par les putains de murs. Putain la vache, c'est bon. Ok, je regarde pas trop le chat là, je vous avoue je suis concentré les gars. Hier j'ai tapé un raid sur Twitter. Nice. Bien joué. Oh putain. J'aurais dû prendre la healeuse en fait. Ça aurait été plus intéressant plus je pense. On va envoyer lui. Comme ça le chilet va pouvoir se heal. Nox, tu tapes pas? Ah putain, je l'ai pas envoyé, quel con. Dieu n'est une machine. Ah putain oui, je l'avais fait le jour de sa sortie moi. Il était pas mal celui-là. Il y avait quelqu'un qui avait looté la miniature du boss. J'avais trop le seum. Allez les gars, c'était ma bonne chance, on a bientôt fait la moitié. Oh putain, Nox, il s'est fait défoncer le cul. Pourquoi il est mort? Non, merde. Putain, chilé, je l'ai pas ramené au... Attends, oh là là, je fais n'importe quoi. J'ai pas pu me concentrer le chat. J'ai pas pu me concentrer, c'est la merde. C'est la mort qui m'a assassiné. Ouais, je fais de la merde. J'ai ramené chilé trop tard. Si je l'avais ramené à un bon moment, on aurait pu gagner, je pense. Va falloir que je prenne une nouvelle team. Va falloir que je me concentre. Oh là, il s'est fait défoncer là. Faut que je fasse gaffe. Vas-y, prends l'aggro sur moi, mon gars. Prends l'aggro sur. Oh. Mais comment l'Ectidir s'est fait mettre en feu alors qu'il était même pas devant? Quoi? C'est pas logique, les gars. Ils se prennent des dégâts. On sait même pas comment. Oh, c'est vraiment mes pales qui doivent faire les dégâts. Mais le problème, c'est quoi? J'ai chié dans la colle.
Ok, 947. Ok, ça fait des dégâts, ça fait des dégâts, on est pas mal. Ok, 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 ok. Désolé le chat, hein, j'arrive pas, là je suis concentré. J'ai l'impression de faire un monstre sur MH là. On va renvoyer Nox. Vas-y Nox, fais du dégât. Oh là, oh là là, oh là là. Esquive, esquive, esquive. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Ok. Et Tidir. Yo mon Ektidir. Putain, il a pas été envoyé, quel con. Des fois j'ai l'impression qu'ils sont pas envoyés alors que je les ai envoyés, c'est bizarre. Allez, 700, 700, 700, 700. Allez, faut mettre des dégâts, voilà. 700 les gars. Putain, ouh là là. J'ai pété mon bouclier, let's go. Ok, on l'a lâché. On va remettre le Melpaka. Tu peux jouer à la manette? Je crois oui. Mais moi je joue pas à la manette. En fait, je pense qu'on aurait pu largement le faire si j'avais pris des meilleures pales. J'ai pris vraiment des pales de merde. Genre vraiment ma team elle pue du sgeg. Ouais c'est ça. En vrai si j'avais pris une meilleure team on le faisait easy. Chier. Attendez, y'a peut-être moyen, y'a peut-être moyen. On peut le capturer maintenant. Allez, 11%. Ah, il m'a eu. Allez là, 11%, bordel. Oui! Non! Putain! Oui! 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 Let's go! Cryburn! Ah! Yes! Ah! Merci Dracula! Merci pour le GG les gens. Oh incroyable. Oh c'est fou. C'est fou. Il est comment d'ailleurs? Du coup Paldex Quivern. 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 Putain le boss de con. Extraction 2. Collecte 2. Oh putain. Hey, les gars. En plus on pourra le mettre dans la putain de base à farm. On pourra le mettre dans la putain de base à farm de fer. Let's go. En plus il servira pour la zone. Yes. Il est chaud en plus. Ouais, il est trop mignon, il est trop mignon. On dirait un genre de Dracolos, il est trop mignon. J'adore. Oh putain la vache. Le Dracolos, exactement. Oh, oh là, je suis tout émoustillé le chat. Incroyable. J'espère que vous avez bien tout vu. Parce que le combat, pas de le refaire. Hein. Un Dracolos fluffy, ouais un petit peu, ouais. Un Dracolos mixé avec un petit lit, avec un petit Evoli là. Pas mal. Pas mal du tout. Oh, très joli, très joli. Très content, putain, un nouveau boss, let's go. C'est mon combien de TM? C'est mon troisième boss. Ah putain, yes. Et du coup, on a deux mobs qui peuvent être utilisés dans la ferme à fer. Let's go. Ça va être bon, ça. Gestion de la ferme à fer. Ça dégage, du coup, les rushers, ils servent à rien. Pas reprendre de la bouffe. Du coup, on va mettre lui et lui à la place de Depresso. Toi tu dégages. Toi tu dégages aussi. Ouais, j'ai besoin de ça. Alors aussi, on va mettre nos mobs là parce qu'ils sont morts. On va faire les heals. J'ai pour le troisième mode. Merci, merci.
On va mettre un autre transporteur, je pense. Pourquoi il fait rien? Ah si, il est en train de récolter. Ok. Est-ce que j'ai d'autres transporteurs? Des mecs qui font que transport. Après, on va peut-être prendre les lambales, hein. Je sais pas, les transporteurs 2, si, je crois que j'en avais, mais ils sont dans la base principale, je crois. Chier. Transport, transport, transport. Ah, je crois que j'en ai pas d'autres. Ah si, transporteur 2, j'ai vu. Yes, lui. Non, pas toi. Lui. Quel à con. Hein. Le level max des pales, c'est quoi? C'est 50, comme ton level max de niveau à toi. Oh, regardez-moi ça, regardez comment il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. J'ai faim. Trop mignon. Oh là là, trop mignon. Est-ce qu'on peut faire du coup les bains? Ah non, j'ai toujours pas de fuite de pâle, fait chier. C'est les pingouins pour les fuites de pâle, non? Je crois. Les pingouins. Sous les pingouins. Pingouin, fuite de pâle, exactement. Donc on va retourner. J'ai un raid, mais il y a personne. Oh, attends, c'est un raid dans ma base principale? Je vais commencer ce soir. Ah, nice. Attendez, c'est peut-être un raid dans ma base principale? Non? Je vais aller voir. Bah, attends, le raid il se passe où? D'accord, je me fais raid, mais il n'y a pas d'ennemis, quoi. C'est pas mal, ça. Dans l'autre camp? Et j'ai rien vu. D'accord. Mais encore, et où ce raid à la con là? Attendez, on va se mettre là. Ah, ils sont là! Oh là là! Oh, y'a un mob que j'ai pas! Y'a un mob que j'ai pas, le chat! Oh là là, y'a un mob que j'ai pas! Y'a un mob, il va falloir le capturer là. Ils sont là dans vos campagnes, c'est ça! Ils sont là dans nos campagnes! Y'a un mob que j'ai pas là-dedans, va falloir le capturer. On veut tout, nous. Va falloir se relever, mon petit Quivern, là, parce que là, on a besoin de combat, là. Combat! Oh, il y a un Tombat. Putain, faut que j'aille le capturer après. Il me servira pour... Oh, putain. Le Incinérarn. Oh, il est trop... Il a trop de flow. Pourquoi il se barre? Pourquoi tu te barres? Reviens ici, sac à merde. Il fuit déjà? Pourquoi? Regardez-moi c'est ta fiole là. Bah au revoir hein. Bah ils sont barrés. Super. Par contre toi le Tombat j'en ai besoin. Putain je peux pas trop fait assez tôt. Let's go. Ok. Bon, moi on a un autre Tombat. Let's go. On va pouvoir le mettre dans la base à fin, dans la farm à faire. Ça va être très utile. Donc là, littéralement, pour la farm, il nous reste plus que, bah, en fait, faire les trucs pour qu'ils se régènent et qu'ils pètent pas mentalement, quoi. Vraiment que ça. Et ça, il nous faut du fluide. Donc on va aller en chercher. Putain, il est où le Tombat que j'ai capturé? Merde. Ah, il est où? Je suis aveugle, chat. Le chat, je n'ai plus de père. Ah, il est là. Je suis con, le chat. Donc, je suis vraiment avec pour le coup. Ok, et on va aller au camp. On va aller se faire des tissus et se réparer tout ça.
Tiens, comment ça va? Salut Darsark Thanos, comment tu vas? On peut réparer, on peut réparer. Ah, j'ai plus de textile, fais chier! Jamais de textile, moi! Merde! Allez, toi, bah, tranquille, tranquille. Voilà. Par là. Il faut ça, ça et ça. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir des bons trucs dans les œufs, les gars? Moi je sens, on va avoir une petite dinguerie. C'est de la merde. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon ça. Ça c'est. C'est bon ça. Ça on apprécie quand on a ça. On apprécie, on apprécie. Ok, ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, on doit aller péter du pingouin. Du pingouin. On va péter du pingouin. Eucrates. Putain, mon inventaire il est vraiment plein. Bah, attendez, on va aller le vider un peu parce que c'est bordel. Tu peux faire plusieurs persos pour l'instant. En fait, tu peux en faire plusieurs pour des maps différentes, mais sur la même map, tu peux en faire qu'un. Je peux en faire qu'un. Donc la réponse, je dirais oui. Je sais pas. Ça dépend qu'est-ce que tu entendais. Si on peut faire plusieurs persos sur la même map, non. Si on peut faire plusieurs persos, bah autant de maps que tu veux, oui. Eh merde, la ligue contre la protection des pales va venir me faire chier. La première fois qu'ils m'attaquent, tiens. Ils sont où? Ils attaquent par où? Par en bas. Ils attaquent par en bas. Ah putain, mais décidément on se prend des raids de partout. Ouah, ils sont battent plein. Ok. Bon, on leur met des belles flèches. Niquez-moi tous ces connards! Voilà! Oh là là, ils sont déjà tous morts. Bon, y a déjà plus rien. Ligue de protection contre les pales, qu'est-ce qu'on fait? On attaque les villages. Oui, bah cool, hein. Cool, mec, hein. Je crois que tu t'es perdu dans ton job, mon gars. Let's go. Y a plus le truc. À moi les loot. Nice. Attends, ils m'ont donné des médocs, les bâtards. Trop bien. Les médocs. Let's go! Et bah vous savez qu'on va s'arrêter là pour cette session de Palworld. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même pas mal avancé. On aura techniquement créé notre farm à faire qu'on devra optimiser dans la prochaine session. On aura battu un nouveau boss, le Quivern. C'était vraiment très sympa. On se dit à ce soir 19h-19h30 pour la suite de Star Wars The Old Republic. J'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux comme d'habitude. Si ce n'est pas le cas, on se retrouve demain soir pour la suite du gage tout simplement. Et n'oubliez pas 18h15 sur la chaîne secondaire, la vidéo débrief et review de la saison 1 du gage qu'on a réalisé il y a quelques jours. Bonne journée à vous, à la prochaine, salut tout le monde. Ciao.